bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour les énergies de ce mercredi 29 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin. La clé. Le bonheur consiste à se contenter de ce que l'on a et à oublier ce que l'on voudrait. Voilà, belle petite philosophie de ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé une carte à l'endroit. Et cette carte, c'est partir. Un bain, lâcher prise, passer à autre chose. C'est exactement ce que je disais. Je pense que c'était lundi. Lundi, qu'est-ce qu'on avait ? On avait la déesse de la lune à l'envers, lâcher prise. Eh bien, il y a quelque chose à comprendre, parce que ici, j'ai pigé la carte partir. Lâcher prise, passer à autre chose. Alors, on peut voir, n'est-ce pas, sur l'illustration, une personne, il y a une personne qui s'éloigne et voilà, qui s'éloigne et elle s'éloigne probablement d'une situation ou d'un fait ou voilà, elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Donc là, elle ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Eh bien, cette carte, elle révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final. Alors, par exemple, ça peut être dans le milieu professionnel. Ça peut être une relation ou ça peut être aussi une expérience à long terme de tout genre, n'est-ce pas? Sentimentale, familiale, amicale, etc. Comme cette situation vous est familière, eh bien vous pourriez hésiter. Mais vous êtes maintenant prêt à examiner eh bien, les autres options qui se présentent à vous et qui sont sur votre chemin, juste devant vous. En fait, en réalité, il y a un nouveau commencement qui vous attend. Et cette carte, elle indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude. Alors une vieille habitude, ça peut être la cigarette, l'alcool, les médicaments, la nourriture, la drogue, etc. C'est peut-être aussi le bon moment de vous débarrasser d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Ainsi, aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Alors, que ce soit dans le monde intérieur ou extérieur, eh bien, cette carte, elle vous dit que vous possédez toutes les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. C'est une belle carte positive. Et oui, il est grand temps de faire un lâcher-prise et d'étudier toutes les possibilités, parce qu'il y en a. L'univers vous met différentes possibilités sur votre chemin.
choisissez la bonne, mais cette carte, elle vous dit partir. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à ça? Oui, cette carte, elle dit que vous êtes prêt, parce que cette carte est à l'endroit. Donc, libérez-vous de des schémas négatifs, peut-être une indépendance, une dépendance émotionnelle. Libérez-vous de fausses croyances, n'est-ce pas? Et n'hésitez surtout pas. Et il est un fait et certain, c'est que examinez bien les autres options qui se présentent à vous. Parce qu'elles sont bonnes. Il faut juste que vous preniez la décision de partir. Voilà. Et si vous vous dites que, oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a des solutions à tout. Vous allez trouver les solutions. C'est difficile parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette grille ici, ce portail, cette porte. Mais ça sera salutaire en tous les cas, de ce que vous vivez présentement. L'affirmation pour aujourd'hui, je peux passer à autre chose, en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. N'oubliez jamais, votre propre volonté est primordiale. C'est très important. Allez, je termine avec le message de ton âme. Laissez mourir. Oh là là, mais quelle belle synchronicité aussi encore. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès, mais il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas et c'est une belle synchronicité avec cette carte partir, laisser mourir. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.